Nous l'accueillons comme n'importe quel de vos chiens, comme n'importe quel de vos paroissiens, et selon nos souhaits, et surtout celui de la famille, la célébration qui va se faire maintenant sera exactement la même comme pour chacun de nos paroissiens. Chacun de mes chrétiens présents a essayé d'aider leur foi. Je voudrais aussi appeler ceux qui sont partagés la foi au Christ, sont parmi nous par amitié. Et je vous invite à exprimer cette amitié, vous qui êtes dans l'église, et vous aussi ceux qui n'ont pas pu rentrer, en donnant un geste fraternel, en vous serrant la main. Dans les mains pour vous entendre et qu'on soit en communion avec vous tous. L'espérance. Et maintenant l'Église nous invite à nous tourner vers la croix de notre Seigneur, cette croix qui rappelle que le Christ a partagé toute notre vie. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc.
Le Seigneur soit avec vous. Et vous. Les anges y disaient qu'il est vivant. Il leur dit alors, vous n'avez donc pas compris. Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire? Et en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concerne. Il entra donc pour essayer avec eux. Quand il fut à table avec eux, il le vint. Ils retournèrent à Jérusalem. Mais c'est l'émotion, c'est ça aussi. Et le compagnon qui leur dit. C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. La première ici. S'il vous plaît, là. D'accord. Protection civile. On va aller. Ils l'ont reconnu au moment du partage du plat. Maintenant, la laitière va nous partager son amitié, son expérience. Dieu, plus que jamais dans notre temps, à la lumière de l'invitation, le symbole de l'esprit, premier partenaire. Au-delà des autres, nous avons encore à pouvoir. Ainsi, un seul instant, rien, 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 rien
Thank you.